Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour. Bon, je ne vous cache pas que ce n'était pas une partie de plaisir, hein. Malheureusement, l'ami de maman est décédé. Voilà, c'était assez compliqué et très douloureux. Mais bon, la maladie fait que voilà, ça ne lui a pas laissé le choix. Pendant mon absence, le facteur n'a pas chômé. J'ai reçu petite commande de Stampin' Up, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Et j'ai reçu payer des copinettes. Alors là, j'ai un courrier. Je ne sais pas de qui il est. Donc j'ai ouvert, hein, j'avais commencé déjà la vidéo, mais forcément, j'étais arrivée en bout de truc, et puis ça me... Enfin bref, je recommence. Donc j'avais déjà préparé, déjà ouvert, mais pas vu qui m'avait envoyé de jolies cartes et de jolies choses. Alors là, oh, les jolies. For you. Comment ça marche? Donc là, j'ai une jolie jarretière. C'est une dentelle un peu élastique avec un joli nœud. Je suis désolée, la lumière, c'est le matin de bonne heure. Pas très lumineux parce qu'il pleut. Et la lumière pas terrible du tout. Donc un joli nœud avec de la dentelle, morceau de toile de jute et une demi-perle. Ça fait vraiment une jarretière. Bon, pour une petite couille, ça. Donc une carte qui s'ouvre en trois volets. Très joli le papier. Avec des découpes, superposition, montée en 3D. Ah, mon petit mot, il est là. C'est Béa. Béa de la chaîne Béadi. Oh, c'est gentil. Oh, je te fais plein de gros bisous. Moi aussi, je t'envoie plein d'ondes positives, ma belle. Elle est superbe, ta carte. Donc, cardstock rose qu'elle a ancré et avec un joli papier. Il est joli, celui-là. Magnifique. Et donc, avec la jarretière qui se met comme ceci et qui tient le tout. Magnifique. Je ne sais plus si c'était au milieu. En haut, en bas, j'ai envie de le mettre là. Bon, ça devait être là d'ailleurs. Merci ma belle, plein de bisous et j'espère que toi aussi tu vas bien, tu vas mieux ainsi que ton mari. Donc, alors ensuite une grosse enveloppe avec plein de stickers, des bébêtes, des tigres, des rhinocéros, des girafes, des rennes, des élans, qui me vient de Roxane. Donc là, j'avais commencé et j'ai eu un petit souci. Donc c'est déjà à moitié ouvert, mais pas vu. Donc là, elle m'a fait un marque-page. Si j'arrive à vous enlever les sequins. Voilà. Marque-page avec des motos. Et donc, elle en a mis plusieurs. Elle m'a mis des sequins, alors il y a des loves, des sequins toutes les couleurs, des noirs, des blancs, des roses,
On a, je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, c'est ces petits cœurs. Bonjour mon fils. Voilà, pour le marque-page. Ensuite, une ATC de Harley Davidson. Elle est belle comme tout. C'est la 1 sur 1 et c'est marqué nous deux. Non, merci. Et donc là, elle m'a fait une jolie carte. Donc, sur le même thème que l'ATC. Une toile de jute, une bordure avec des... Le ruban clouté. C'est super bon. À l'arrière, on a des die-cut. Et donc, mon petit mot à l'intérieur. Ah, t'es adorable, merci Maroro. Donc, pour mon anniversaire, elle me dit des balades en amoureux pour longtemps. Je te fais plein de bisous. Donc, ça, c'est la carte. Et donc, j'aperçois magnifique création. Waouh! C'est superbe. Donc elle m'a fait un cadre altéré avec je sais pas à qui elle a piqué tout ça. J'ai même tes cheveux, ma belle. Elle est là. Donc des motos qu'elle a peint, qu'elle a bidouillé, donc sur un fond d'un cadre. Donc elle m'a mis du papier bulle, des fleurs, des embellissements en métal, des bagues. Donc elle a mis des pièces, de la chaîne. Ici on a un embellissement qu'est-ce que c'est comme bête, c'est un fruit, c'est un fruit pan. Si si, c'est un fruit pan. Là on a des embellissements, des découpes. Une fois que c'est peint, on n'arrive plus trop bien à voir, mais là on a des papillons. Là, il y a du filet qu'elle a tendu. Enfin, c'est vraiment superbe. Mix média, génial. Des vis. Un tire-bouchon. Un mini tour tire-bouchon. Un chapeau. Crois que j'ai fait le tour. Donc, il y a des... Je pense que doit y avoir des coulures de colle à chaud là, ça doit être la colle à chaud. Et donc après, elle s'est amusée à faire des pchits, du tamponnage. De différentes couleurs, du vert, du rose, du or, du... Enfin, superbe. Merci tout plein, ma belle. Plein de bisous. Magnifique. Je sais pas trop ce qu'elle nous a mis là.
C'est chouette, hein? On a du tissu. Je pense que ça doit être de la gaze. Là, je sais pas, on irait comme un arbre. Il a mis du plomb. C'est dur comme plomb, c'est lourd, hein? Super. Voilà. Donc ça, c'était Roxane qui a une chaîne. Hein, je vous mettrai. Le nom de sa chaîne. Béadi aussi, bien évidemment, mais qui ne connaît pas Béadi, hein, franchement. Ensuite, nous avons Claudine, plus connue sous Petite Frimousse. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait, ma belle? Ouais, j'ai décidé de faire du bruit ce matin. Mon fils va en faire dans pas longtemps. Je vais te couper. Hein, tant qu'il fasse le jus de fruits. Waouh. J'ai une magnifique rosace. Un chapeau. Avec un fruit de toucan. Oh, voilà, souffert dans le voyage la plus lave. La paille. Bon, je coupe le temps du pressage de fruits et je reviens. Là, donc, jus de fruits fraîchement pressé. Et moi, je reprends donc avec la rosace ce chapeau très printanier. Superbe. Et ton rose orangé. Et j'ai un toucan, un fruit de toucan. Vous voyez, il y a des fruits partout. Et au dos, on a sur une papier de capsule à café avec une petite pince à linge. Je déroule. Et on voit joyeux anniversaire et fruit bisous. Merci ma petite frimousse. Bon, je vous ai pas oublié les filles, hein, toutes celles qui faisaient des concours, anniversaires, tout ça, tout est prêt. Bon bah je sais, les tirages au sort ont déjà été faits, mais c'est pas grave, ça va arriver. Déjà que j'étais pas en avance. Mais forcément, j'ai encore pris 15 jours, 3 semaines de retard. Donc ça arrive, hein, c'est prêt. Je peux pas vous dire chez qui ça va arriver encore là, mais parce que ma mémoire fait un petit peu défaut, mais il y a un colis pour Pilou avec son Memory Dex, il y a pour je sais plus qui, enfin bref, plein de choses pour plein de monde. Alors ensuite. Waouh! Ah, je l'adore. Je l'adore tellement que je me le suis pris le moule du corset là. Ah ouais, non, il est trop beau. J'adore. Donc elle m'a fait le moulage du corset de chez Stamperia qui est magnifique. Elle m'a mis sur un carton, elle a mis un cœur rouge avec du barbelé
qui était en fait à l'origine un truc qu'on suspend dans les voitures pour que ça sente bon. Avec des ailes normalement, mais elle n'a pas mis les ailes. Et donc mon petit mot, avec un joli bouquet de fruits, de fleurs. Oh, t'inquiète, ma belle. Il vaut mieux tard que jamais, exactement. C'est pas à moi que tu vas dire le contraire. Toi, t'es un amour, je te remercie. Voilà, création de ma petite frimousse. Que je me fasse oh, excusez-moi, un pot pour mettre je commence à en avoir quelques-unes et rosaces. Oh, il y a ces chantiers sur ma table, je vous explique pas. Et donc là ça me vient de Marie-Claire, connu sous couleur papier. Donc couleur la région de l'heure, hein, pas l'heure qui tourne et qui passe. Donc c'est le département. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, magnifique carte avec plein de chiffres et tout. Un fond marin, un joli nœud en dentelle. Happy birthday. Ok, je suis en retard, mais bon, tu me pardonnes. Je sais pas, je sais pas. Merci les filles. Merci ma belle. Je vais vous montrer sa carte. Voilà. Et alors, dans un papier rose, oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est excellent. Bon, bah, elle m'a fait un junk. Hein. Donc là, nous avons un nœud. Je sais plus comment que ça s'appelle. Tu sais, les nœuds comme ça, là, en gros. Un nom. Une boule à chat. N'importe quoi. Oui, c'est un nom, c'est la façon dont on le fait. J'en avais fait là pendant un temps. J'adore. Donc voilà, une grosse boule, un nœud marin, je sais pas comment qu'on appelle, je sais plus. Donc là, attaché avec du filet. On a mis des petits pompons, un petit embellissement dans les tons bleu turquoise. Superbe. Donc là, la couverture m'a fait un fond patouille, hein, bien sûr. Marie-Claire est toujours à fond dans la patouille. Hein. Avec une carte, un hippocampe. Vraiment beau ce bleu. Donc là, c'est du pochoir. Hein.
Superbe. Bon, ben, je vais découvrir avec vous, hein. Donc, c'est fermé par un bouton, un élastique. Bon, ça va pas être pratique de vous le montrer à l'envers, hein, comme on découvre. Donc, elle a fait... Bon, je ne vais pas tout vous décrire, hein, parce que sinon on va y passer 3 heures. Donc voilà, il y a des pochettes déchirées, des mini tags un peu partout. Vous connaissez le principe des junk. Un petit carnet qu'elle a donc agrafé. Fermerai après, on va y faire 3 heures. Donc là, c'est un morceau de découpe quadrillage que je pourrais bien évidemment me resservir. Donc là, une feuille de musique. Une immense tag. Donc c'est sur le thème marin du papier vélum. Là, elle a cousu une enveloppe. Oh, c'est superbe. En fait, ça doit être de la broderie, parce que faire ça à la machine, faire des zigs et des zags, c'est la broderie. Hein. Oh, le boulot. Des enveloppes passées au café, bien sûr. Hein. Paperclip, dentelle, petite fleur. Superbe. Napoléon. Tag, une petite cachette. Un petit tag cartonné. Il est beau ce papier. Je ne sais pas de quelle collection il est. Donc là, c'est des... Comment ça s'appelle? Enfin, c'était pour se mettre dans les planeurs, là, les plannings. Les planeurs. Les trucs de... Oui, de planning, qu'on avait ça. Enfin, moi, je sais que j'ai travaillé avec... Quand j'étais dans un truc de transport. Ah, forcément, ça passe dans un sens, ça passe pas dans l'autre. Voilà. Il est vraiment chouette, hein.
Donc elle a coupé et c'est elle qui a fait tous les trous. Elle a passé donc le spirale. Incognito. Ah ben oui, caché dans le scaphandrier, on est incognito. Hein. Un joli tag. Une enveloppe. Un embossage à chaud de l'hippocampe avec de quoi écrire derrière. Le tag qui sert de fermeture à l'enveloppe. Donc là en fait on est parti 20 000 lieues sous les mers. Hein. Vraiment super sympa ce papier. Une petite, petite pince. Petit napperon avec la barre de navigation. J'ai cru qu'il y avait une pochette. Non. Un paper clip en étoile. Ah, coulé. Chouette. Hein. Je pense que ça doit être à la gel presque qui a fait ça. On dirait bien. Hop. Vraiment superbe. Enveloppe avec une baleine. Oh, c'est sympa ça va comme présentation. Donc c'est une bande de papier qu'elle a pliée, repliée et encore repliée, rabattue en haut pour faire une pointe et ça vous fait une petite enveloppe. Une idée à retenir. Là, elle a fait un mini carnet hein, agrafé. Donc là c'est des découpes hein, de ronds, peu importe la forme que vous voulez, vous le gardez et vous remplissez sur la feuille du dessous et ça vous fait une jolie découpe. Alors là, extrêmement fragile du papier papier de riz. Donc là, petit tag. Vraiment magnifique.
Alors là, il y a une pochette avec plein de trucs dedans. C'est un carnet, enfin livré. Du journaling, une pochette craft, hop, ça c'est un papier, vous savez, avec le fil à l'intérieur, on voit la trame. Alors là, c'est pareil, une bande de papier pliée en deux. Repliée en coin, ça vous fait un coin. Coin, coin. Et vous pouvez glisser un petit truc. C'est la courbe de mon cœur. L'électrogramme de mon cœur. J'adore la patouille que tu as fait là, sur tes papiers. Là aussi, j'adore. Ça fait vieux, ça fait... La mamie. Petite fleur, dentelle, crochet, je ne saurais vous dire si c'est de où ça vient, si c'est elle qui l'a fait. Alors déjà que l'anglais et moi ça fait deux, mais alors à l'envers c'est encore moins évident. Enfin c'est un gros chat avec le capitaine. Là, une carte embossée. Un grand tag, des petits tags. Des stickers sur certains, donc et voilà. Ah, on peut plus le refermer. Ben merci tout plein encore ma belle. Bon, c'est prévu que je te fasse un truc là, mais quand je vais avoir retrouvé le temps, hein, que avant j'ai eu un manque de courage et maintenant c'est le temps. Ben merci tout plein, il est magnifique. Hein. J'adore. Il est superbe. Voilà, donc c'était Marie-Claire de la chaîne Couleur Papier. Donc je vous mettrai toutes les chaînes des copinettes, puisque ben, elles ont toute une chaîne. Hein. Si vous ne les connaissez pas, pour que vous alliez voir ce que fait chacune. Merci tout plein, je vous fais plein de gros bisous et mille merci d'avoir pensé à mon demi-siècle, hein. C'est adorable. Merci, 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 merci. Autre chose que je voulais vous dire.
On voit que c'est la reprise, hein. C'est pas terrible, terrible, mais du tout ma vidéo, je ne sais pas si je vais arriver au bout. Bref, j'en étais donc que j'avais fini l'ouverture de tous mes petits colis. Encore mille merci les filles. Et donc, j'avais déballé ce que j'ai un peu reçu. Bon, pas tout parce que je referai une vidéo pour spécial Stampin' Up. Mais j'ai reçu une nouvelle collection d'encre qui est donc la collection des subtils, des couleurs très tendres dans ce genre. Je vous les montrerai en détail. J'avais commandé il y a quelque temps les dies étymologie de chez Timols. Et là, je me suis pris les tampons qui vont avec. Comme ils viennent de loin, hein, ils ont traversé l'Atlantique. Ça fait plus d'un mois que je les ai commandés. Ils viennent seulement d'arriver. Donc, tampons, mousse, des bébêtes qui vont avec les dies. Et donc là, sur une feuille papier musique, je me suis amusée à tester justement toute ma collection des subtils avec les bébêtes. Bon, je n'ai pas les noms en tête, hein, parce que vous savez que chez Stampin' Up, ils ont l'art et la manière d'avoir des noms très poétiques. Par exemple, là, nous avons sous l'écume, qui est un verre que je dirais que c'est peut-être bien celui-ci. Mais bon, à confirmer. Enfin bref, on n'en est pas là. Donc, j'ai fait le tamponnage pour essayer les couleurs sur une feuille de musique, sur une partition, et donc avec les dies, je vais les découper et ça me fera une idée de carte. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et je m'étais commandé, parce que je ne les trouvais pas ailleurs, je ne les trouvais pas chez Tonton, la plaque d'embossage diamant, vous savez, les trucs métalliques qu'on trouve souvent dans les garages, je ne la trouvais pas. Et également la superposition, si je vous montre là, ce sera peut-être mieux, la superposition de plaques métalliques riftées. Je les ai pas essayées, hein. J'ai tellement de choses en un jour que j'ai pas eu le temps de tout faire, notamment en scrap. Hier, c'était plutôt grand ménage. Donc, je vous ferai le test. Et je pense que je vous ferai ça sur du papier alu, comme ça, ce sera vraiment industriel. Donc voici pour mes petits achats. Bon, il y en a d'autres, mais je vous montrerai ça plus tard. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Pendant ces 10 jours, je suis allée quand même vous chercher des idées de vidéos prochaines, notamment travailler l'encre à alcool. Donc normalement ça se fait sur un papier particulier avec des encres à alcool, mais Isa ne fait jamais rien comme les autres, vous savez, je suis une sorcière. Donc Isa, elle a pris du papier photo, puisque le papier Yupo, YUPO, est un papier plastifié. Donc je me suis dit, bah, papier photo, il est plastifié, donc on va essayer. Et les feutres à alcool de chez Action,
J'ai trouvé trois petits récipients. J'en ai coupé trois. Donc, un bleu. Bon, là, vous allez rien voir. Donc, il y a un bleu, il y a un rouge et un jaune. Je me suis dit que ça ferait les trois couleurs primaires. Pour essayer, ce sera super. Et si ça marche, youpi, alléluia. On va faire des économies et des trucs superbes, les filles. Donc voilà, premier essai. Alors, on oublie de regarder, enfin, on ne regarde pas ça pour l'instant. Premier essai avec une pipette. Elle est où ma pipette? Pipette en plastique, là, hein. J'ai donc pris du bleu, tac, 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 j'en ai mis, et avec une paille, j'ai soufflé pour essayer de diffuser un petit peu, mais pas terrible. Enfin, je pensais pas que ça ferait cet effet-là. Deuxième essai, donc, sur cette partie, ici, où c'est déjà un peu plus ce que je recherche. J'ai mis déjà de l'alcool transparente et seulement après je suis venue y mettre ma couleur. J'ai soufflé et ça m'a fait un peu des effets bah, ma foi un peu sympathique quand même. Donc là ça ressemble plus à ce que j'ai vu. Donc pour faire des fonds, alors forcément hein, avec le papier et l'encre qui va bien. Les filles, elles font vraiment des tableaux. Elles font des bouquets de fleurs, elles font vraiment des trucs magnifiques. Je pense pas qu'on arrivera à faire ce genre de choses avec ma technique. C'est plus pour faire des fonds et éventuellement pour faire des papiers pour la découpe. Et bien évidemment, pour faire des junk ou autres art journal et tout ce que j'aime faire. Enfin, le art journal, je me suis encore pas lancé, mais voilà. D'ailleurs, là, je suis en train de voir que ça pourrait ressembler à un poisson. Ça, c'est la faute à Marie-Claire avec son junk journal. Je vois des poissons partout maintenant. Voilà. Donc ça, on fera une vidéo là-dessus. Je referai des essais, bien évidemment. Donc si vous voulez le faire avant de voir la vidéo, protégez, parce que ça traverse. Mettez-vous sur quelque chose qui ne craint rien, pas directement sur votre table, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Bon, ben voilà, hein, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, j'ai plein d'autres choses, mais bon, pour aujourd'hui, on va dire qu'on va s'arrêter là. Donc, je vais vous parler de Stampin' Up. Il y a des nouveautés que je ne peux pas vous présenter, que je ne vous présenterai certainement pas, dans la mesure où moi, je n'ai pas ce rangement. J'en ai un autre et je ne vais pas racheter, bien évidemment. Mais il est pas mal. Après, voilà, c'est comme tout, hein. Les nouveautés, je vous en parlerai, mais après, fait qui veut, suivant sa bourse, pour ranger les pads d'encre, les crayons, les feutres, les recharges, enfin bref, il y a toute une nouvelle collection de rangements. Qui est fort sympathique, modulable, enfin je vous en parlerai ultérieurement. Ou sinon, ben, allez voir sur le site hein, de Stampin' Up, vous allez voir, c'est en grand en ce moment, rangement. Vous allez voir les différents modules. Voilà. Bon, eh ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit très vite pour la suite de l'essai. Ben voilà, j'ai fait le tour, hein. Mille merci encore les filles pour...
pour vos envois, vos cadeaux. Merci Marie-Claire pour ton superbe fond marin de art journal, junk art journal, je vais dire. Hein. Vraiment superbe. Je continue à penser à vous pour les remerciements, les petites cartes, les petits cadeaux, les concours. En retard, bien évidemment, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais, hein. Il semble avoir entendu ça il n'y a pas si longtemps. Mais j'arrive dans vos boîtes aux lettres, pour certaines. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.